Moi, je suis bon. Ouais, c'est bon. Donc, Anthony Tournès, du Clos Juquier, donc sur la commune de Jonquière, donc au nord de l'Hérault, vraiment au pied du bateau du Larzac. C'est pour ça que l'appellation sur la colonie s'appelle Terrasse du Larzac, parce que c'est vraiment le contrefort du plateau. Donc, une domaine familiale d'une quinzaine d'hectares. Donc, on fait 14 hectares en rouge, majorité Terrasse du Larzac, et un hectare en blanc. Donc, c'est une cuvée en blanc qui s'appelle les Lupio. Mais du coup, là, notre plus grosse production, c'est le Terrasse du Larzac sur la cuvée Philippe. Donc, du coup, sur cette cuvée-là, il y a les 4 cépages rouges du domaine: Syrah, Grenache, Mourvèdre et Saint-Saul. Donc, à l'équilibre, il n'y a aucun dominant. Et on fait un an d'élevage sur cette cuvée, moitié de l'assemblage en fût et l'autre moitié de l'assemblage en cuve. Voilà. On a la volonté de faire de l'élevage en cuve pour que. Il y a de la fraîcheur qui se dégage du vin, parce que souvent on pense que les vins de Languedoc sont un peu âpres, et non, alors qu'en fait non, les Larzac sont des vins qui sont très frais, très légers et très souples, avec quand même du corps.